Ah, ça fonctionne. Me revoilà. Alors non, j'ai bien dit mince. Vous pouvez faire les sous-titres. Alors, je ne sais pas pourquoi mon micro s'est désactivé dans Streamlabs. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, tu veux faire les bruits à la bouche? Vous entendez quand même le jeu, rassurez-moi. Vous m'entendez là, c'est bon. Rassurez-moi le chat, vous m'entendez? Oui, enfin, c'est bon. Du coup, bonsoir à tous. Alors, du coup, bon bah, tant pis, hein, je vais refaire l'intro. Hein, donc on joue à Rayman Origins, hein, qui est un jeu sorti en 2011 sur console et 2012 pardon, sur PC et console PS Vita, hein. RIP la PS Vita, et Nous incarnons donc Rayman qui, après avoir fait trop de bruit avec Globox et deux petits lumens, deux petits êtres, vont devoir sauver la croisée des rêves. Voilà. Ah, la musique elle est trop bien. Et du coup, on va devoir récupérer des Electoons. Il est fou, notre copain. C'est parti. Alors, fait amusant, Rayman, dès le début, n'a pas de pouvoir. En fait, il ne peut pas taper, il ne peut rien faire. Et nous allons devoir débloquer ses pouvoirs au fur et à mesure du jeu. Donc, le premier monde est la jungle à Bafouilles avec attrape-moi si tu peux. Du coup, c'est parti. Ah, je suis dégoûté que on m'entendait pas depuis le début. Je viens de voir sauver cette magnifique fille. Alors, petit point avec Rayman, quand on voit des bulles, c'est qu'on en a besoin. Non. Alors, je reviens. Parce que... il y avait une pièce avec mon cher Lumens que nous devons récolter à chaque fois. Vous me dites hein, si jamais le son est trop fort. Et du coup, niveau game design, Rayman, il n'y a pas mieux. Comme à Mario, vous suivez et vous allez tout droit. Oula, oula, oula. Alors attention, musique. Et du coup on doit sauver les lums et alors hop. Ah bah voilà hein, première erreur hein. Bon mais je dois tout recommencer, je suis mauvais. Hop. Alors c'était sur Rayman Legends où j'avais essayé de faire des défis s'il te plaît, le jeu, respecte-moi. Tant pis, je vais pas les tuer, eux. Je fais tout dans le désordre, c'est pas bien. Ah, bon, attendez, bougez pas, on va baisser un peu le jeu. Rayman, reste accroché. C'est embêtant, c'est que comme du coup je suis obligé de faire un alt tab, le jeu, hop, je vais baisser un peu, voilà, le jeu est frisé, hein, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Hop, tiens bon, c'est ça. Et bien évidemment, hein, je joue à la manette, puisque comme dit précédemment, c'est un jeu principalement console. Tu vas monter, oui s'il te plaît. Merci à vous. Donc c'est beaucoup plus facile à la manette. Même si je suis mort, hein, faut pas le dire. Vous ne le verrez pas. Ce sera coupé au montage. Allez, c'est parti. Bon, j'en ai bien, tant pis. Non. Pistache. Ah non, non. Bon, ouais. Et le pire, c'est que je me suis entraîné hier après-midi. J'ai refait le premier niveau que hier après-midi. Ah oui, la fin. Ah voilà, donc petit moment... petit moment où nous délivrons la fée. Et nous avons maintenant le pouvoir de taper. Du coup, quand on tape, on récupère des lums. Vous avez le super coup, hein, bien évidemment. Et on aura diverses améliorations. Alors la fin, en fait il y a une fin secrète. Donc on verra la fin. J'essaierai de la débloquer. Oh là, hop. Voilà. Hop. Alors bien évidemment, petite amélioration qu'on n'a pas dans Rayman Legends qui est sa suite. c'est que dès le début de Rayman Origins, on peut nager, que nous ne pouvons pas dans Rayman Legends. Fais la meilleure fin. Ah oui, la fin, t'inquiète pas, c'est sûr et certain que je ferai la fin complète. Hop, lui on va le tuer, du coup on saute. Alors il faut, de mémoire, il faut que je saute là. Et attention, c'est bon, ça passe. Ah le son, je préfère le son dans Rayman Legends, où quand on récupère tous les Elements, nos chers amis font une petite danse avec Rayman, qui est, ma foi, d'un assez fort gabarit. Hein. Et voilà, nous avons... Et derrière, on voit les graphismes du château, qui sont excellents, je trouve. Franchement, les graphismes sont magnifiques. Et dire que ce jeu a été débloqué que par 5 personnes. Plus Michel Ancel. Et du coup, voilà. Nous avons récupéré tous les Electoons du niveau, car nous avons plus de 100 Lumens. Et alors, nous avons notre cher ami magicien, voilà. Petite musique, attention. Et voilà. C'est parti, le premier niveau est passé. Musique disco. C'est trop disco. Et voilà, et nous allons pouvoir continuer. Rien que de voir la musique de Rayman 3 sur la planche de surf. Eh bien, figurez-vous que je n'ai jamais joué au Rayman. Alors, petite astuce. Je n'ai jamais joué à un Rayman de ma vie. Enfin, pas à Rayman Legends et Rayman Origins. Mais sinon, les autres Rayman, j'ai jamais joué. Donc, quand j'ai... Oh là, attention, on va attendre un peu. Donc les Rayman, c'était un peu... Les Rayman Origins, c'était la découverte. Puis rien que les petits bruits quand on prend les lumens. Alors je pense que j'ai fait une bêtise, parce que normalement, il doit nous montrer... Alors, attention, parce que, voilà. C'est le monstre in one shot. Comme le saumon. Alors tu arrêtes celui-là et tu vas faire le... tu vas le faire. Ouais, non, mais... Attendez, messieurs. Hop. Je vous ferai Rayman Legends. Attention. Non, 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 non. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Oui. Non. Du coup, faut que je retourne en arrière, puisque comme vous pouvez voir, nous avons ici des lunettes cachées. Nous allons sauter là. Alors, quand on entend le bruit, le poum, c'est que nous avons des amis lumens qui sont cachés. Alors, hop. Et voilà, les Electoons. Et je crois qu'il y a du temps en plus. Je sais plus. Ah oui, c'est oui, il y a un niveau avec du temps après. Oula, oula, oula. Oula, oula. Hop. Bien sûr, faut que je passe entre les deux, hein. Alors... Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je vais me suicider, car je vais recommander, parce que j'ai perdu la pièce. Je sais pas si vous avez vu. Alors, tue-moi, voilà. Voilà, ouïe ouïe ouïe. Rien à vu, le perfectionnisme. Alors, ça, on pourra y aller. Non, 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 oh là. S'il te plaît, Rayman. Ah bah... J'ai plus de cœur. Hein. Tant pis. Allez. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah bah mince, j'aurais dû prendre... Ah... Mais... Monte! J'aurais dû prendre le boosté. Alors... Hop... Alors attendez, je crois qu'il va avoir un... Y'a pas un truc caché là par ça? Ah bah non. Alors... Extrême! Oula, il y a un nouveau caché là. Ah bah c'est une pièce. Hop. Tiens, RT pour sprinter. Merci, je le savais déjà. Ah, il y avait une petite cour avec la langue. Poppy. Et nous avons les Electoons cachés. Alors... Mais là, il n'y a pas besoin de grand-chose. Grand-chose, voilà. Ah bah, voilà. Ce fut l'erreur. Y'a pas besoin de grand chose. Parce que j'ai trop l'habitude d'appuyer sur sprint. Du coup, quand on appuie sur sprint, en fait, Rayman, il court comme un fou. Du coup... Non, non, non. Allez, on va remonter, on va remonter, on va remonter. Voilà. Non mais... Easy. Oui, ce sont les premiers niveaux. Hein. Qu'est-ce que ça va être dans les derniers? Hop. Et voilà. Alors... Parcours. Et nous avons 345, je pense qu'il en faut 300 de nos mains. Je récupère le cœur. Nous voilà déjà à la fin. Heureusement que j'ai dit je récupère le cœur. Les deux looms et la dernière pour platiner, je crois qu'il faudrait refaire après en mode alors combien qu'il nous en faut? Ah ouais, ah, 7 pile poil, pile poil. Un million, je peux appuyer sur A pour que ça remplit plus vite comme ceci. Ah non, ah non, c'est que sur le légende que ça fait ça. Donc voilà, j'ai mes deux looms et nous avons la médaille. C'est parti. Et Rayman. Et je crois que là on va débloquer le niveau avec la dent en rubis. Le nouveau personnage débloqué sur l'arbre de ronfleur. Donc déjà il me faut 25 looms. Alors on va regarder quel personnage. Tac tac tac. Bon alors je peux pas aller là-haut pour le moment. Alors allons à l'arbre des ronfleurs. Alors c'est lequel? Ah oui voilà, c'est à lui qu'on va devoir donner les dents. Donc, vous voulez quoi? Globox rouge, Rayman bleu ou Globox rouge? Un truc rose au centre. Oui c'est le centre, c'est le... En fait je peux le refaire. Je vais prendre Globox parce qu'il était de bête. Ou nous avons deux petits êtres. Oui le... Alors. Oui, tous les personnages qu'on peut débloquer. Je crois que c'est le mode défi qu'on peut faire après à la fin de mémoire. De mémoire, ça doit être ça. C'est le mode, mode défi qu'on peut faire avec le, en fait, le mode course. Mais on le débloquera après. Je crois que c'est à la fin du niveau qu'on débloque les courses. On va jouer avec le Globox. S'il y a une tête de bébête. Il est marrant. Alors, bien évidemment, toujours passer à retourner en arrière dans le menu. Toujours aller en arrière. Parce que vous avez... Ah bah, j'ai déjà perdu moi. Alors, s'il vous plaît, messieurs. Hop. Je veux ceci. J'ai trop l'habitude de sprint. Du coup, hop. Oh la tête quoi. Nous allons. Hop. Ah bah tant pis. On va y arriver. Alors, toi grosse patate. Patate de forain. Hop, ça, ça m'intéresse pas. Voilà, toi, je te détruis. Tu es mort, Jim. Bien évidemment, je saute plus haut si je fais ça. Toi, je tourne. Oh, la tête de Globox. Alors, bien évidemment, on débloquera des nouveaux pouvoirs après, hein. Qui seront de mémoire la glissade, le vol et je crois qu'on pourra même courir sur les murs. Alors on va aller là. Non, tu ne me tapes pas. Bah, en plus je récupère des gros, un gros paquet. J'ai bien fait d'aller là. Toi t'es mort. Alors je crois qu'il y a un truc là, non ? Vers le rouge. Alors, tac. Il doit y avoir un truc là-haut, c'est pas possible. Non, bon. Alors... Non, non. Je le connais pas, c'est vrai. Non mais sérieusement. Ah oui. Donc ça va être un mode de, un monde de course. Donc là on a pu entendre un petit Electoons, donc on va aller le voir. Mais non, Globox. Tapi. Parce que n'oublions pas que les Electoons, c'est quand même les... Ah oui, peut-être Help Me. Moi j'aime bien que j'ai Poppy. Les Electoons, ce sont les neurones de notre grand rêveur. Je veux récupérer ma pièce, s'il vous plaît. Il a mis où ma pièce? Elle est où ma pièce? Elle est où la pièce? Non, je veux la pièce. Allez, on se suicide parce que je veux la pièce. Je veux les sous. Mais... C'est pas possible ça. Autant vous dire que si je jouerais un Dark Soul, ce serait compliqué, hein. Voilà. Donc ça, ça s'est ouvert. Hop. Poppy. Du coup, en fait, j'ai fait de la bêtise, parce que j'aurais pas dû activer ça, parce que je peux plus aller chercher. Donc on va mourir. On va aller vite, on va aller vite. On va réussir à rattraper le retard. Ça aussi, hein, vous avez vu. Les sous ou les Electoons. Je choisis les deux. Alors. Ah non, c'est bien ça. Je sais pas où. Ils sont là. Je les entends. Comment on fait? Comment on fait? Non. Ils sont dans le coin là, c'est sûr et certain. Bon bah tant pis. On les aura pas. Je sais pas comment on fait. Ou alors ils sont de l'autre côté. Ah! Ils sont de l'autre côté. Puisez aussi. Oui bah si je le tape pas, ça va pas le faire. Je suis pas très intelligent. Bon. Allez c'est parti. C'était la game de chauffe. Donc bien évidemment les méchants souvenirs qui martyrisent nos lums. Oh c'est cette tête de Globox. Je fais un poster de la tête de Globox. Alors il y a des petites bulles là-haut, donc il doit y avoir un truc caché là-haut. On va... Géronimo. Et ben voilà. Mais... Ah. Voilà. On va récupérer le cœur s'il te plaît, Globox rouge. Il est trop. C'est bon, j'ai réussi. Qu'est-ce qu'il m'oublie? Alors. Voilà. Alors. Hop. On va monter. J'arrête d'appuyer sur le sprint. C'est ta sonnerie de téléphone, Jack. Le patapam. Hop. Caché, non. Non, mais... Dehors. H. Est-ce que j'aurai assez de lums? Je ne pense pas. Je crois que c'est toujours 350 lums. Je pense. Ça va être un peu compliqué. Alors bien évidemment vous pouvez jouer en coop. Hein. Combien de lums? Ouais, donc j'ai pas les... Enfin j'ai les lums, mais... Enfin j'ai les Electoons, mais j'aurai pas la médaille. Tant pis. Faut que je leur fasse... Et voilà, il m'en manque que 26. Et pas de danse, désolé. Nous sommes désolés. Par contre, je vais reprendre Rayman parce que Globox, en fait, je trouve que... Alors, j'ai juste changé de personnage. L'arbre en fleurs. Je ne vais pas prendre celui-là. Nous avons... Je vais prendre. Et c'est parti. Donc bien sûr, bien en plus on a des Electoons, nous allons pouvoir débloquer des personnages. Alors, la jungle à Bafouilles. C'est parti sur la vague. On va avoir mal à la main quand même. Alors, toujours regardez. Alors, c'est parti. Ça va être la cascade. Ça va être justement juste pour ça, pour 3 lumens. Mais non, je fais pas faire de la capoeira, Rayman. Voilà, donc normalement j'aurais dû aller en bas, mais bon. Hop là. Que je puisse passer, s'il te plaît. À chaque fois, en fait. Bah vas-y, hein. Ah, tu vas en avoir beaucoup, hein, parce que il y en a beaucoup des patapams. Il y en a beaucoup des patapams. Musique disco. Hop. Poppy. Ah, attendez. Hé hé hé. Vous le savez bien. Là, je suis plus. Voilà. Rayman. Qu'est-ce que tu m'as fait? Bien évidemment, hein, Rayman, comme dans chaque niveau, à la fin il y aura un boss. Oui, il y aura un truc. Tac tac tac. Il doit y avoir un truc, il doit y avoir un truc, il doit y avoir un truc, il doit y avoir un truc. Comment ça se fait que ça bouge? Les lumens. Oh, mince. J'ai perdu les lumens en bas. J'aurais dû y aller avant. Alors non, s'il te plaît, je veux aller là. Non. Il va péter. J'ai perdu la pièce. Suicide collectif, désolé. Et en plus, il y a les lumens sur la droite. Allez. Voilà. Hop, on va recommencer tout d'un coup. ça aussi qui vient avec Rayman, c'est qu'on peut recommencer. Alors déjà sur la droite, nous allons récupérer les Electoons. Allez, ah, je crois que ça va être un peu chaud là. Alors, on fait là, on va récupérer la pièce. Oh là, ce level design. Je veux récupérer la pièce. Attention, Jack, à toi, c'est parti. Et je vais tout récupérer. Oh. Donc, comme le dit le niveau, attention, c'est parti. Vous avez rien vu venir. Et voilà. Et il va m'en manquer 3 des Lums. Vous allez voir. Il me manque 3. C'est 350. Encore un niveau, voilà, 3. Oula, pardon. Eh oui, 3 niveaux, 3 lums. Et j'aurais eu la médaille. Et tant pis. Eh ben non. Plus frisson. Alors normalement j'ai débloqué. Non, j'ai pas encore débloqué le coffre. C'est 25. On ira plus tard. Ah bah on arrive à l'avant-dernière. Oui, oui, si j'ai tous les Electoons, oui, en effet. Alors. Nous sommes. J'en ai loupé un. Hop. Parce que j'ai tendance à trop sprinter. Du coup, comme je sprint, je fais des bêtises. Tant pis, j'en ai loupé 2-3. Ah, d'accord, c'est dans l'île. Je ne me souvenais plus de ceci. Ma mémoire est défaillante. Je vais t'avoir. Alors, il y a lui. Il y en a encore un. Voilà. Mais. Vilain. Hop. Attention. Hop. Yamakasi. Et on est bon. Poppy, il est là. Ouh. Un secret. Ah oui, je me souviens de ce niveau là. Et hop, on y retourne. Non, reviens Michel. Hop. Et nos premiers Electoons. Oh la danse quand même de... Oui. Alors, attention, oh, c'est pas bon ça. Je crois que j'aurais pu avoir le gros. Ici, donc je sais pas mal, j'ai des pièces. J'ai perdu un cœur, mais c'est pas grave. Mais... Et on passe la porte. Et j'ai complètement fail. Normalement c'était comme si c'était par là qu'on devait faire. Allez Gérard. Hop hop. Non, 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 hop. Hop hop. Et bah bon ciné à toi Yakipon. Je suis bête. Et à plus. Et voilà. On va bientôt arriver je pense au boss déjà, je pense pas quand même. Non quand même pas. Il y a un Electoons qui était tombé hein. Allez c'est parti. Hop Ouais, un peu trop vite pour le jeu. On reprend le cœur. Il n'y a rien de caché, ça m'étonnerait. Ah ouais, non, il n'y a rien de caché. C'est la fin. Je répète tous les lums, encore une fois. Je n'aurai pas tous les lums. Je savais même pas qu'il pouvait faire une roulade. J'ai au moins tous les Electoons. Après, les médailles, c'est que pour si je veux platiner le jeu. On fera ça plus tard. Tout. Normalement, je dois avoir 25 Electoons de mémoire, ou je crois que c'est avec le boss. Et si on est déjà au boss, ça me paraît bizarre. Je t'ai rappelé. Hop là. Alors, normalement, je crois que c'est un niveau où il faut... Non, il m'en manque deux. Et je... Alors... Ah, c'est bientôt le boss. Ouais. Et Electoons, ah oui. Et le boss c'est après. C'est le mode... J'aime bien ces niveaux là. C'est le... Voilà, nous allons... Sinon pour aller sur le chemin et découvrir un nouveau monde. Donc là c'est le monde bonus, hein, bien évidemment. Donc, le petit monde bonus des Electoons. Mais j'en loupe plein. Je fais des bêtises. Bon, bah je pense pas avoir les deux autres Electoons. Quoique, normalement si. Voilà le petit niveau bonus. Non, j'ai pas tout. Donc, on va recommencer. On va recommencer. Il me faut tous les Electoons. Non, j'ai pas fait B, mince. Non, moi je veux recommencer. C'est après le niveau aérien. Du coup, j'ai voilà, j'ai débloqué le coffre à pattes. Non, je recommence. Voilà, allez. Electoons, s'il te plaît. Mais... tant pis. Et j'ai recommencé, hein. Il y a moyen que je les ai là. Je sais plus si c'était 175 qu'il fallait que j'en ai. Je crois. Avec le méchant derrière. C'est 175. Ouais, c'est bon, j'aurai pas la médaille, mais au moins j'ai les 175. Je récupère mon Electoons, et c'est parti. Et du coup, on va aller faire le coffre à pâte avant d'aller faire le boss. On va faire le petit coffre à pâte qui nous permet de récupérer une dent de rubis. Qui va nous faire débloquer la toute fin, enfin la vraie fin. Merde, là je dois sprinter. Ceux qui aiment bien la country. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouh la vache. Ouh la vache, c'était chaud. Et je l'ai quand même tapé. Et du premier coup. Et nous voilà, Rayman, avec notre dent. Et notre dent que nous allons remettre. Donc voilà, j'ai récupéré la dent. Et je vous montrerai à qui on la met. Après, alors, le boss. Enfin, je crois que c'est pas encore... Enfin, c'est le monde aérien. Oui, c'est bien, ça fait passer un bon jeu de shooter. Hein. J'aime bien. Qui dit l'astuce. Ouais, mosquito. J'adore le bruit quand même, ça fait toujours rigoler. Plus facile. Et c'est plus facile. Comme j'ai déjà un cœur, je récupère des lumes en plus. Hop, comme ça j'ai pas besoin de les tuer tous, j'ai déjà récupéré tous les lumes. Non, je me perds. Là. Je crois que tous les niveaux, les derniers niveaux, c'est toujours avec le mosquito, je crois. Sur Jake, c'est parti. On peut faire des ricochets avec les tirs. Donc voilà, nous allons tuer nos chers amis avec les piranhas. Spam le bouton X. Hop. Oula, ça va être le monde où on monte. Là, c'est les torpilles. Ah oui, je crois que ça, c'est le boss. D'ailleurs, c'est le boss. Oui, c'est le gros oiseau. Je me souviens, je l'avais fait dans Rayman Legends. On récupère l'huile. J'en ai loupé plein et j'ai perdu mon cœur. J'ai fait des bêtises. Alors bien évidemment... Aïe. Voilà la strat, hein. Il suffit juste de le bourrer avec ses propres armes. Voilà, bah il est fini, je crois. C'est lui en fait, il fait mais c'est de la triche. En fait, il fait juste pareil que nous. Et voilà, il se dégonfle. Et ils ont changé les chocobos. Et nous voilà. Ah, tu m'étonnes que les chocobos ils ont changé. Ils ont pris une sale tronche. Bon après là c'est un chocobo dopé aux hormones. Alors 375 j'ai normalement... Ouais, j'ai la médaille. Ouais t'es sûr là. Ça... Et franchement, je me demande, enfin, ils ont quand même réussi à faire un jeu qui est excellent, à 5 personnes, il est magnifique. Bon, ils ont mis plus de 6 ans pour le faire, mais quand même. À 5, en 6 ans, ils ont fait un travail énorme. Alors, nous voilà, nous avons... débloquer le prochain monde qui sera DJ désert des DJ rideaux. Alors nous allons retourner à l'arbre en fleurs car nous allons donner la dent à notre cher ami le fossoyeur. Et voilà, et sa dent.